Comment faire 3 étoiles facilement sur le nouveau défi sous 3 bonnes étoiles. Les amis, qui dit nouvelle saison dit nouveau passe d'or, et accompagné de ce passe d'or, on a toujours le fameux challenge. Je vous le reprécise, ce défi, il est disponible pour tous les niveaux d'hôtel de ville, même si vous êtes HDV8. C'est pas vos héros et vos troupes qui sont joués sur le défi. Avant de partir sur le défi, on va juste regarder le nouveau passe d'or. Si vous le prenez, petit code créateur El Chiki. Et comme d'habitude, dans le premier palier, on va avoir droit au skin de la reine astronaute. Ça va être le thème de tout le mois de mars, on aura la collection complète de skins astronautes. Je vous affiche juste ici les 4 skins qu'on aura, et d'ailleurs qui seront visibles et jouables sur le nouveau challenge. Il est juste ici, on va regarder comment faire 3 étoiles très facilement dessus. Voilà, on est sur le défi. Alors au début, en le voyant, je me suis dit, mais ça va être impossible. Et au final, ça passe assez bien. La première chose à faire, ça va être de mettre le grand gardien en position sol. Ensuite, on va sur la gauche du village et on met à l'extrême extrémité la catapulte. Une fois que c'est fait, on va aller de ce côté-là, mettre 3 ballons autour du canon, histoire de bien enlever toutes les mines noires. Tout cet endroit là, on va le tomber avec des bébés dragons. Le premier, vous allez le mettre ici directement sur la reine au niveau 23. Ensuite, vous allez faire pareil sur le bas, bébé dragon sur une Tesla qui va sortir, et un autre bébé dragon sur la reine ennemie qui tombe ultra facilement. Et le dernier, vous pouvez le mettre tout à droite, qu'il aille sur les Tesla. Une fois que ça c'est fait, on va côté aigle artilleur. On commence, on met le dernier ballon, on met aussi en premier les dragons, si eux se prennent des mines noires c'est pas si grave. Et vous mettez ensuite le dragon rider et un autre dragon, gardez-en bien un en main. Ça c'est fait, ça tombera facilement l'aigle artilleur. Rendez-vous maintenant sur le haut du village, on va commencer. On place en premier l'électro-titanide, le roi, grand gardien, reine, on a quasiment tout mis. Et aussi on place la racine, c'est elle qui nous fera une ouverture pour juste après. Une fois que tout ça s'est placé, on va pouvoir aller au niveau du château de clan et faire une ouverture ici, hop c'est ouvert. Et ensuite, les 7 super gobelins, vous attendez bien que ça tombe le château de clan, comme ça il ne sortira jamais. Ensuite, on regarde ce qui se passe encore une fois en haut, on a la racine qui nous fera toujours l'ouverture, c'est super pratique. Dès que le roi a perdu pas mal de points de vie, bam, je déclenche sa capacité et on le protège avec le grand gardien. Là, je suis pas dans le meilleur des cas, ma reine a tourné sur la droite, donc tant mieux, moi ça m'arrive en vidéo, vous verrez que ça passe quand même, mais si elle rentre avec le roi, c'est largement mieux. Le roi, avec sa capacité, il tombe tout ultra facilement. Ce que vous allez faire ensuite, ça va être de prendre les sorts de zap et les placer sur la tour multi juste ici, comme ça, ça prend 3 tours de l'enfer quasiment d'un coup. Et une fois que la tour multi est tombée, moi je rajoute mes 2 sorts de squelette sur le bas du village, ça protège de la monolithe et des tours de l'enfer. Et comme ça, ma championne va pouvoir s'avancer et prendre quasiment toutes les défenses qui restent. Sur le haut, on a la reine qui est placée juste ici, j'ai un sort d'invisibilité. Il sert vraiment à protéger les héros, que ce soit la championne ou la reine. Moi, pour le coup, c'était la reine. Mais vous, ça sera peut-être la championne, ça dépend de comment ça se place. Et avec, bon, il me reste encore un dragon, je prends des bâtiments sur le bas du village. On a aussi les Valkyries, ça c'était les Valkyries de la catapulte qui a fait un travail de fou furieux. Et on a un 3 étoiles vraiment ultra facile. Voilà, au niveau des récompenses, ça sera comme d'habitude pas la folie. J'espère en tout cas que vous aurez réussi à faire 3 étoiles sur ce défi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, c'était El Chiki, je vous dis à très bientôt.